En tant qu'acteur de protection de l'enfance travaillant en contexte humanitaire, nous souhaitons aider les enfants et leurs familles et faire une réelle différence dans leur vie. Pour y arriver, nous devons mesurer et évaluer notre travail. Or, la complexité de la gestion de cas de protection de l'enfance peut rendre cette tâche extrêmement difficile. Le groupe spécialisé Gestion de cas, GSGC, a créé deux outils pour aider les acteurs de la protection de l'enfance. Des indicateurs minimaux, le cadre d'évaluation de la qualité. 5 indicateurs minimaux ont été créés pour la version 2019 des standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire. Ils permettent de mesurer l'efficacité des services de gestion de cas à répondre aux besoins des enfants en temps de crise humanitaire. Ces indicateurs visent le processus de gestion de cas. Leurs résultats doivent être désagrégés en fonction de l'âge, du genre, du handicap et des autres facteurs de diversité pertinents des enfants. Ils permettent entre autres de calculer le pourcentage de travailleurs en protection de l'enfance formés en gestion de cas ayant des connaissances et des compétences accrues dans l'application du processus de gestion de cas. Le pourcentage d'enfants et de tuteurs se disant satisfaits des services reçus et des mesures prises. Le pourcentage d'enfants et de tuteurs rapportant une augmentation de leur bien-être à la suite de la gestion des besoins et des risques urgents en protection de l'enfance. Le nombre et le pourcentage de référencement approprié d'enfants vers des services de gestion de cas de protection de l'enfance effectués par des membres de la communauté. Le nombre et le pourcentage de référencement approprié d'enfants vers d'autres secteurs effectués par du personnel de gestion de cas de protection de l'enfance. Le cadre d'évaluation de la qualité de la gestion de cas, CEQGC, est un autre outil conçu pour vous aider à respecter les normes en matière de suivi et de qualité des systèmes de gestion de cas en contexte humanitaire. Il permet de concevoir, de suivre ou d'évaluer les systèmes et les interventions de gestion de cas d'une organisation, d'une collaboration interagence ou d'un pays. Il est destiné aux employés de protection de l'enfance responsables de l'évaluation des systèmes et des interventions de gestion de cas de leur lieu de travail. Ces employés doivent minimalement avoir des connaissances et de l'expérience en supervision, en encadrement, en renforcement des capacités et en gestion de cas de protection de l'enfance. Ils doivent aussi pouvoir organiser et gérer des collectes de données et modifier des interventions. Le CEQGC se décline en 8 volets. L'intervention de gestion de cas, le processus de gestion de cas, l'amélioration du système de protection de l'enfance, la collaboration et la coordination, les capacités et ressources humaines appropriées, des ressources suffisantes, la gestion de l'information, le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage. Le CEQGC tient compte du fait que les systèmes et les interventions de gestion de cas peuvent être à leur début, en particulier lors des premières étapes d'une intervention d'urgence. En vous permettant d'identifier les forces et les faiblesses, il vous aidera à améliorer les systèmes et les interventions de gestion de cas et à en accroître la complexité et la qualité. Le CEQGC comprend un document de présentation et des conseils sur son utilisation. Le CEQGC, le cadre principal et les outils à utiliser pour planifier des systèmes et des interventions de gestion de cas et en évaluer la qualité. La grille des améliorations, un tableau des mesures suggérées pour améliorer les systèmes et les interventions de gestion de cas. Le modèle de plan d'action, un guide pour l'élaboration du plan de mise en œuvre des mesures à adopter selon les résultats du CEQGC.
les outils de collecte de données qui peuvent être utilisés comme ressources pour évaluer les différents volets du CEQGC, le modèle de rapport sommaire de l'évaluation de la qualité, si nécessaire. En mesurant et évaluant constamment notre travail, nous pouvons nous assurer de faire les bonnes choses de la bonne façon pour répondre aux besoins des enfants du monde entier.